Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Let us pray. On veut prier. What a mighty God we serve. Hallelujah. What a mighty God we serve. Hallelujah. Heaven and earth adore. Even angels bow before him. What a mighty God we serve. What a mighty God. What a mighty God we serve. Hallelujah. What a mighty God we serve. Hallelujah. Serving him, what a mighty God we serve. Hallelujah, what a mighty God we serve. Hallelujah, heaven and earth adore, even angels bow before. So God of Abraham, Dieu d'Abraham, God of Isaac, d'Isaac, God of Jacob, Dieu de Jacob, the Holy One of Israel, le Saint d'Israël, we worship you. Nous t'adorons. We bow before you. Et nous fléchissons we nos genoux devant toi. We thank you for this special gathering. Et nous te remercions pour cette rencontre très particulière. And we are asking, Lord, et nous te demandons, Seigneur, that in the next few minutes, que dans les prochaines minutes, in the lives of all those who are gathered here, dans les vies de chacun qui est ici, and all those who are watching all over the world, et aussi tous ceux qui nous regardent, qui nous à la TV dans tout le monde entier, please do something new. Fais quelque chose de neuf en eux. In Jesus' mighty name, we have prayed. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Well, let somebody shout hallelujah. Et tout le monde va dire hallelujah. You may please be seated. Vous pouvez vous asseoir. I want to start by thanking the organizers of this wonderful celebration. J'aimerais remercier tous ceux qui ont préparé cette merveilleuse rencontre. I salute your courage. Et je remercie pour leur courage. Because it takes a lot of courage. Parce qu'il faut beaucoup de courage. To invite a pastor from Africa. D'inviter un pasteur d'Afrique to come and preach to this great gathering. Pour parler à tout ce grand rassemblement. I salute your courage. Et c'est pour ça que je vous remercie de votre courage. Glory be to God. I've been asked to speak to the next generation. Et on m'a demandé de parler à la prochaine génération. In other words, my address is to the young ones. Et c'est pour ça que je m'adresse aux jeunes. The old ones are welcome to join us. Les moins jeunes sont aussi bienvenus à nous rejoindre. They can pray for us. Ils peuvent prier pour nous. Because of their age. Parce qu'à cause de leur âge. Their prayers to heaven is like a local call. Parce qu'à cause de leur expérience, tout ce qu'ils ont vécu. Because they are very close to heaven. Ils sont très proches du ciel. So we welcome the elders here. Et c'est pour ça qu'on est aussi très content que les anciens soient ici aussi. Now, my definition of a young one, ma définition des jeunes, is anyone who is younger than I. C'est tous ceux qui sont plus jeunes que moi. And since I'm 76 years old, et comme j'ai 76 ans, anyone younger than 76 is a young one. Tous ceux qui sont plus jeunes, ben, c'est des jeunes.
So let all the young ones shout hallelujah. Alors que tous les jeunes crient hallelujah. I'll be talking to you on the theme of the feast. Et j'aimerais vous parler par rapport au sujet de la fête. Dare to dream. Oser rêver. My text will be in Daniel chapter 3. Mon texte est dans Daniel chapitre 3. I'm reading from verse 14 to 15. Et je lis les versets 14 à 15. Daniel 3, 14 to 18. Daniel 3, 14 à 18. Nebuchadnezzar spake and said unto them, Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I have set up? Now, if ye be ready, that at what time ye hear the sound of the cornet, the flute, the harp, the sackbut, the psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, you fall down and worship the image which I have made, well. But if you worship not, you shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace. Who is that God that shall deliver you out of my hands? Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thy hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Alors Nebuchadnezzar prit la parole et leur demanda, Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai érigée? Maintenant, êtes-vous prêts? Au moment où vous entendrez le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite? Si vous refusez de l'adorer, vous serez jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous pourrait alors vous délivrer de mes mains? Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi. Ô Nebuchadnezzar, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si nous sommes jetés dans la fournaise ardente où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer, ainsi que de tes mains, ô roi. Mais, même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous t'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. The theme is dare to dream. Donc, le sujet, c'est oser rêver. The word dare, I'm sure you all understand. Je crois que vous comprenez le mot oser. It's a challenge to you. C'est un challenge pour vous, c'est un défi pour vous. So the only word that needs a little explanation is the word dream. Mais ce que j'aimerais bien expliquer, c'est ce mot rêve. What dream? What do we mean by dream? Que ça veut signifier ce rêve? Because there are all manners of dreams. Parce qu'il y a toutes plein de sortes de rêves. The Bible says there are some dreams that come as a result of multitude of business. Il y a des rêves qui viennent, la Bible dit, à cause de nos préoccupations. There are dreams that come because you ate too much. Il y a aussi des rêves qui viennent parce que vous avez trop mangé. There are dreams that disturb your sleep. Il y a des rêves qui vous empêchent de dormir. And you call them nightmares. Il y a aussi des cauchemars. The dream we are talking about tonight. Mais on veut parler ce soir de rêve. Is a dream that is inspired by God. C'est un rêve qui est inspiré de Dieu. Is a dream that God whispers into your ears. C'est quelque chose que Dieu veut chuchoter à votre oreille. Saying, son, daughter, you can be greater than this. Il dit, fils, fille, tu peux être plus grand que ça. For example, Joseph. Par exemple, Joseph, when he was a young fellow, like all of us, quand il était un jeune, comme chacun de nous, had a dream. Il a eu un rêve. Or two dreams, actually. Il a eu deux rêves, en fait. In which God told him, et Dieu lui a dit, you're going to be great. Tu vas être grand. You're going to be the leader of a great nation. Tu vas être un leader d'une grande nation. You're going to be a blessing to the world. Tu vas être
une bénédiction pour les nations, pour le monde. That's the kind of dream we're talking about now. Et c'est ça, ce genre de rêve dont on veut parler ce soir. I've been asked to encourage you. J'aimerais vous encourager. To listen to God. D'écouter Dieu. And begin to dream. Et commencer à rêver. Great dreams. D'avoir des grands rêves. That you would leave this place knowing for sure. Que vous quittiez cette place en étant assuré. That you are not created to be small. Que vous êtes plus grand que ce que vous êtes maintenant. The purpose of God for your life. Que vous connaissiez le but de Dieu pour votre vie. Is that you will be very great. Que vous fassiez des grandes choses, c'est ça qu'on aime. If you believe that, let me hear you say amen. Si vous croyez ça, dites amen. Now, why did I choose this text? Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce texte? When we ask you to dare to dream, quand on a parlé d'oser de rêver, we are asking you to dare believe that God can do the impossible. Nous voulons que vous osiez croire que Dieu peut faire l'impossible. Because the Bible says, with God, nothing shall be impossible. Parce qu'avec la Bible nous dit qu'avec Dieu rien est impossible. Luke chapter 1 verse 37. Dans Luc 1 verset 37. And in Jeremiah 32 verse 27. Et puis aussi dans Jérémie 32 verset 27. God himself said. Dieu lui-même dit. Behold, I am the God of all flesh. Que je suis l'Éternel, le Dieu de tout être humain. Is anything too hard for me? Y a-t-il une chose qui soit trop extraordinaire pour moi? So dare to dream means dare believe that with God nothing shall be impossible. Donc oser rêver, ça veut dire qu'il faut croire que rien n'est impossible à Dieu. For example, par exemple, God can raise the dead. Dieu peut ressusciter les morts. I saw the beautiful presentation about our crowd. J'ai vu la merveilleuse présentation par rapport à our crowd avant. And they showed us miracles that could be performed by technology. Et ça a montré des miracles qui sont possibles grâce à la technologie. But we noticed they didn't say anything about raising the dead. Mais ça ne permet pas de ressusciter les morts. Only God. C'est seul Dieu qui peut le faire. Can raise the dead. C'est le Dieu qui est vivant. And when you go through the scriptures, et quand on regarde dans les Écritures, you will see he has raised the dead several times. On voit qu'il a ressuscité des morts plusieurs fois. There was a case of Jairus' daughter. Il y a par exemple la fille de Jairus. That has just died. Elle était décédée. You read that in Mark chapter 5. Dans Marc chapitre 5. There is the case of the son of the widow of Nain. Mais il y a aussi la fille de la veuve de Nain. Who was on the way to be buried. On était en train de l'amener à être enterré. You can read about that in Luke chapter 7. Dans Luc 7, il en est parlé. And then there is a big one about Lazarus. Et il y a aussi une histoire à cause de Lazare qu'on peut lire. Who had been dead and buried 4 days. Il était mort et enterré depuis 4 jours. And God brought him back to life. Et Dieu l'a ramené à la vie. And I'm saying that to let you know. Et si je dis ça, c'est pour que vous sachiez that he can raise dead dreams. Que Dieu peut ressusciter aussi les rêves morts, décédés. Because there are some of you here. Et il y en a certains ici that had some great dreams before. Qui ont eu des grands rêves. But the dreams are dead now. Mais ces rêves sont morts maintenant. In the mighty name of Jesus Christ, et au nom puissant de Jésus-Christ, before you leave here tonight, avant que vous quittiez ici ce soir, the dead dream shall rise again. Ces rêves morts vont de nouveau revenir à la vie. You know the story of Moses. Vous connaissez l'histoire de Moïse. He knew he was made to be a deliverer. Il savait qu'il était né pour être quelqu'un qui délivrerait son peuple. In Exodus chapter 2, he tried to do it on his own strength. Et dans Genèse, il a non. He decided to deliver Israel using his own strength. Il a décidé de libérer Israël. He failed. He failed. Et il n'a pas réussi. And then he became a fugitive for 40 years. Et après, ils étaient pendant 40 ans dans le désert, donc. At the age of 80,
his dream of being a deliverer was dead. Et quand il avait 80 ans, ses rêves qu'il avait eus, ben, ils étaient morts. But God came to him. Mais Dieu est venu le rencontrer. And said, it is now my time. Et maintenant, c'est mon temps, que Dieu a dit. You can now go and bring my people out of Egypt. Il faut que tu ailles qu'ils sortent d'Égypte, leur dire qu'ils sortent d'Égypte. I have good news for someone here today. Et j'ai une bonne nouvelle à vous dire ce soir. If there was once a time in your life, c'est même si une fois dans votre vie, when you had great dreams, que vous avez eu des gros rêves, but the dreams have now been forgotten, mais que ces rêves maintenant ont été oubliés, because you came to this feast, parce que vous êtes venu maintenant à cette fête, that dream shall rise again. Ces rêves vont revenir à la vie, vont ressusciter. And then, God is not only able to raise the dead, parce que Dieu n'est pas seulement capable de ressusciter les morts, he can reverse the irreversible. Il peut aussi changer les choses irréversibles. He can do what you think can never be done. Il peut faire des choses que vous ne pensiez jamais que ce soit possible que ce soit fait. Because there are some of us who had great dreams. Parce que certains de nous qui ont eu des grands rêves, but then circumstances in our lives, mais à cause des circonstances de notre vie, have said to us, ça peut se passer, there's no way this thing can happen, que ce n'est pas possible que ça puisse se réaliser. But God can reverse the irreversible. Mais Dieu peut changer les situations irréversibles. He told Abraham, il a dit à Abraham, you're going to be the father of many nations. Qu'il sera le père de beaucoup de nations. Initially, Abraham believed. Et au début, il n'a pas pu croire cela. But when years passed, mais avec le temps qui a passé, and nothing seemed to be happening, et que ça ne s'est toujours pas passé, when God spoke to him again and said, hey, can you count the stars of heaven? Il a dit, vous voyez toutes ces étoiles dans le ciel? So shall your children be. Sorry? So shall your children be. So shall your seed be. Ok, c'est ainsi que ça va se faire. It's important to have the microphone. Oh, ok. Because otherwise I don't hear you. Oh, ok, they say it's not hearing me. Well, sorry, sir. Sorry. After several years, après plusieurs années, and Abraham didn't have a child, il a eu un enfant, Abraham. And God said to him, et Dieu lui a dit, you will still be the father of many nations. Tu seras le père de beaucoup de nations. Abraham laughed. Et puis Abraham, ben, il a rigolé. I said, God, let's forget this joke. Il a dit, c'est pas possible, c'est une mauvaise blague. But God is not a joker. Mais Dieu fait pas des blagues. Whatever he says, he will do. Et whatever he says, he will do. Tout ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, il va le faire. He will do it. Il va le faire. No, it doesn't matter how impossible your dream may appear to you now. Et c'est égal combien votre rêve semble impossible. The one who can make dry bones live again. Il peut même faire que des os morts puissent revenir à la vie. Can still make your dreams come back to life. Et ainsi Dieu peut faire que vos rêves reviennent à la vie. Several years ago, il y a plusieurs années, when I was a little child, quand j'étais petit enfant, a bishop came to our village. Il y a un évêque qui est venu à notre village. I saw his beautiful dress. Et j'ai vu son merveilleux habit. I told my mother, et j'ai dit à ma mère, when I grow up, quand je serai grand, I will be a bishop. J'aimerais être un évêque. But after I left home, mais après que je sois parti de la maison, I left the church. J'ai aussi oublié tout ça. And I became a very rotten young man. J'étais un jeune homme assez brutal. I was as removed from God as anybody can be. Et j'étais très loin de Dieu, comme guère personne d'autre puisse l'être. But God didn't forget my dream. Mais Dieu n'a pas oublié mon rêve. One day, et un jour, I had a sermon. J'ai eu ça. Jesus saved my soul. Jésus a sauvé mon âme. And today, et aujourd'hui, I have consecrated bishops. J'ai des évêques qui sont consacrés. I have good news for somebody here today. Et j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ici. What you think cannot be reversed. Et what you think cannot be changed. Quand tu crois que ça peut pas être changé, will be changed in your favor, in Jesus. Ça va changer parce que Dieu peut changer les choses. How do we know that a dream is from God? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'un rêve est de Dieu? It is when the dream is so big, c'est quand un rêve est tellement grand,
That it will take only God to bring it to pass. Que c'est seulement Dieu qui peut faire que ça se passe. If your dream is something you can accomplish on your own. Si un rêve est quelque chose que tu peux accomplir toi-même. That dream is not from God. Alors ce rêve n'est pas de Dieu. The dream must be so big. Le rêve doit être tellement grand. That only God can bring it to pass. Que seulement Dieu peut l'accomplir. For example. Par exemple. There might be dreams. Il y a des rêves. That even the biggest prophet will tell you. Que les plus grands prophètes peuvent vous raconter. This is too hard. Ça c'est trop dur. You remember the story of Elijah? Vous vous souvenez de l'histoire d'Élisée? When Elijah was about to leave. Quand il était en train de partir. He asked him, "What do you want, young man?" Il a demandé au jeune homme qui était avec lui, qu'est-ce que tu veux? The young man said to him, et ce jeune homme lui a dit, I want a double portion of your spirit. J'aimerais avoir la double portion de ton esprit. Elijah said, et Élisée a dit, that's a hard thing. Ça c'est quelque chose de dur. It was hard for Elijah. C'est difficile pour Élisée. But it's not hard for God. Mais c'est pas difficile pour Dieu. Shadrach, Meshach and Abednego said, et ainsi de la même façon, the God we serve. C'est ce Dieu que nous servons. He's able to do all things. Il sait qu'il peut faire toutes choses. One day I had a little dream. Un jour, j'avais un petit rêve. I was praying to God. Et j'étais en train de prier à Dieu. I was living in the slum in Lagos. Et j'étais donc a slum, that's the poorest part of j'étais Lagos. Dans un slum. I was living in one room. J'étais dans une seule chambre où je vivais. And I was praying to God. Et j'étais en train de prier à Dieu. Please build me a small house. Construis-moi une petite maison. And God said, et Dieu m'a dit, don't ask me for a house. Demande-moi pas une maison. I will build you a city. Je vais construire une ville. When I told my people, et quand j'ai dit à mes gens, they laughed at me. Ils ont rigolé à cause de moi. How will you know your dream is from God? Comment est-ce que tu peux savoir que ton rêve est de Dieu? When people laugh at you. C'est quand les gens if you tell se moquent them, de toi. If you tell them quand tu your leur dream, dis leur rêve, they must laugh at you. Et qu'ils rigolent, ils se moquent de toi. And then you will tell them, et après, tu pourrais te dire, wait and see. Et puis, tu verras. Attends et regarde. Today, aujourd'hui, by the grace of God, par la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, I have a little city. J'ai une petite ville. Very little city. Toute petite ville. Just about 30,000 acres. À peu près 32 acres. And it's the fastest growing city in my country. Et c'est la ville qui grandit la plus rapidement dans notre pays. Whenever God gives you a dream. Chaque fois que Dieu te donne un rêve. And people begin to laugh at you. Et que les gens se moquent de toi. Tell them. Dis-leur. Wait and see. Attends et tu verras. I will tell you one of my dreams quickly. Je vais encore vous raconter un autre rêve. And then see how you react. Et j'aimerais voir votre réaction. One of my dreams. Un de mes rêves. Is that I'm going to the moon. Que je vais aller sur la lune. Hey. 76-year-old man. Vous voyez ce vieux monsieur ici? You want to go to the moon? Puis toi, tu veux aller sur la lune? I will say to you, wait and see. Puis moi, je vais lui dire, attends, tu verras. If you pray hard, si tu pries, and you stay in contact with me, et que tu es en contact avec moi, when I'm going to the moon, quand j'irai sur la lune, I will take you along with me. Je te prendrai avec moi. Let somebody shout hallelujah. Que les gens disent hallelujah. But then, Shadrach, Meshach, and Abednego said, et Shadrach, Abednego disait, our God is the Almighty. Dieu, notre Dieu est tout puissant. But, if not, mais même sinon, and you say, what are you saying? Qu'est-ce que vous allez dire? You just told us he's the Almighty. Vous dites, votre Dieu est tout puissant. Are you talking in doubt again? Mais qu'est-ce que tu veux dire no, si no, ça no. se passe pas? What they were saying is this. Et ce qu'ils ont dit, God is the Almighty. Dieu est tout-puissant. But he's also the all-wise. Mais c'est aussi le Dieu de toute sagesse. And at times his wisdom will limit his might. Et sa sagesse contrôle, dirige sa puissance. Occasionally you ask canalise sa puissance. You ask him for something.
quand vous demandez quelque chose and he doesn't give it to you. Et qu'il ne vous le donne pas. Why? Pourquoi? Because he has something better. Parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour vous. Something bigger. Quelque chose qui est encore plus grand. Jesus Christ said, Jésus-Christ dit in the garden of Gethsemane, dans le jardin de Gethsemane, Father, Père, all things are possible with you. Toutes choses sont possibles pour toi. Take this cup away from me. Enlève cette coupe de moi. But not as I will. Mais pas que ma volonté. But your will be done. Mais que ta volonté soit faite. Now God didn't rescue Jesus from death. Donc Dieu n'a pas voulu. He allowed him to die. Il lui a permis de mourir. And then rise again. Et il est ressuscité. And then have a name that's above every other name. Et après, il a eu un nom qui est au-dessus de tout nom. The Bible says. La Bible dit. In 1 Corinthians chapter 2. Dans 1 Corinthiens chapitre 2. From verse 7 to 8. Versets 7 et 8. He said, we are talking about the wisdom of God. In a mystery. Donc nous parlons ici de la sagesse de Dieu et de ses mystères. The kind of wisdom that the people of this world does not understand. Cette espèce de sagesse que les gens peuvent pas comprendre. He said, if they had known, they would not have crucified the Lord of glory. Ils ont crucifié le Seigneur de gloire. What am I trying to teach you? Qu'est-ce que j'essaie de vous enseigner? If you dream a big dream. Si vous rêvez de grands rêves, and the dream, big dream does not seem to be coming to pass, et que ces rêves ne s'accomplissent pas, congratulations. Alors, félicitations. Because something bigger, parce quelque chose d'encore plus grand, is going to come after that. Va se passer après ça. Several years ago, il y a quelques années, there was a Christian camp. On a vu un camp chrétien in Nigeria. Au Nigeria, 40 acres of land. C'était 40 acres de terrain. Beautiful camp. Beautiful camp. C'était un très très beau camp. And they wanted to sell it for $100,000. Ils voulaient le vendre pour $100,000. I didn't have the money. Et j'avais pas l'argent. So I got my people together. Et c'est pour ça que j'ai rassemblé toutes mes personnes, mes gens. We prayed. Et on a prié. We removed our shoes. Et puis on a enlevé nos chaussures. We said it is written. Et on a dit, il est écrit. Everywhere the sole of your feet has trod. Partout où tes pieds ont passé. To you have I given it. Ce sera dévié à toi, dédié à toi. So we prayed. Et c'est pour ça qu'on a prié. And God didn't give us the land. Et Dieu nous a donné ce terrain. He gave it to somebody else. Il l'a pas donné à nous, mais il l'a donné à quelqu'un d'autre. We wept. Et puis on a attendu. We cried. On a crié parce qu'on était déçus. God, Dieu, your word is forever settled. Qu'est-ce qui s'est passé? Why did you allow this to happen? Pourquoi est-ce que tu as permis que ça se passe? We didn't know. Et on ne sait pas. That he had a bigger plan. Qu'il avait un plan plus grand. Today, pour nous. Today, et aujourd'hui, instead of 40 acres, au lieu d'avoir 40 acres, we have 30,000 acres. On a 36 000 acres. Dare to dream. Et oser rêver. Make the dream very big. Faites des rêves qui soient vraiment grands. And then see the Almighty God. Et vous verrez alors le Dieu tout-puissant qui va accomplir ses rêves. One of my dreams. Un de mes rêves. Is that I want to be able to raise at least one dead person per day. J'aimerais pouvoir dire au moins un. Mm-hmm. Bring one dead fellow back to life. Ah. J'aimerais ramener au moins quelqu'un every un mort day. À la chaque jour un ressuscité un mort. You say that is a big dream? Est-ce que c'est un grand rêve? Wait and see. Bah attends et regarde. But because my time is limited, what must I do? Qu'est-ce que je dois faire? So that my dreams will come to pass. Pour que mes rêves ne passent pas, se réalisent. Three things. Deux choses. Number one, numéro un, believe God. Crois en Dieu. Hebrews 11, verse 6. Dans Hébreux 11, verset 6. Says, without faith, it is impossible to please God. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. So you must believe it. Donc il faut croire. That takes you to number two. Et dans Psaume, don't just dream. Si tu as tes rêves, you must be ready to work hard. Il faut aussi
en plus des rêves, de travailler dur. The same Hebrew 11 verse 6. Dans le même verset, Hébreux 11 verset 6, Dieu dit. Says God is a rewarder of those who diligently seek Him. Et que Dieu est celui qui fait et qui accomplit. You dream. Votre rêve. You believe God. Vous croyez en Dieu. You work hard. Et vous travaillez dur. Number three. Et numéro 3. Under no circumstance. Et indépendamment des circonstances. Must you displease God. Il faut pas déplaire à Dieu. Because he's the only one who can bring your dream to pass. Parce que c'est le seul qui peut faire que votre rêve s'accomplisse. You remember the story of Joseph? Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph? When he landed in Potiphar's house. Quand il est arrivé dans la maison de Potiphar. And as a slave, he became the overseer. Il était un esclave et puis il est devenu une personne importante. Well, okay. I'm sure God understands. The wife of the master tempted him. Donc la femme de Potiphar, de son maître, l'a tenté. And said, "Lie with me." Elle a dit, couche avec moi. Joseph said one thing. Et Joseph a dit une seule chose. I cannot do this. Je peux pas faire ça. And offend God. Et offenser Dieu. You must not offend God. Et il faut pas offenser Dieu. No matter how impossible your dream may appear. C'est égal combien votre rêve est difficile à réaliser. As long as you are in good rapport with the Holy One of Israel. Tant que vous êtes en bon rapport avec le Saint Dieu Saint d'Israël. The dream will come to pass. Alors ce rêve va se réaliser. Let me just tickle your mind a little. J'aimerais juste vous secouer un peu votre esprit un petit peu. Very soon we will be praying. On va prier après. You know, one of the dreams God gave me. Vous savez, un des rêves que Dieu m'a donné. Way back in 1975. C'était en 95. Is that one day I will have three private jets. Il m'a dit, un jour tu auras trois jets privés. At a time when I have never seen the inside of an aeroplane. C'est une époque où j'ai jamais vu l'intérieur d'un avion. I told my friends. Et j'ai dit à des amis. They laughed at me. Et ils ont rigolé. Oh, you said today, do you have three jets? No. Tu dis, tu auras des jets? Non. Not yet. Pas maintenant. I have only one. Je n'ai qu'un seul. And one of you. Et quelqu'un de vous. We buy me the next one. Va m'acheter le prochain. I know you will say, ah, this man must be a dreamer. Je sais que c'est de quelqu'un qui rêve. Don't limit the Holy One of Israel. Ne limitez pas le Saint d'Israël. You're not going to die small. You are not going to die small. Vous n'allez pas mourir petit. You are going to be great. Tu as été créé pour être grand. There is greatness in you. Et vous êtes grandeur en vous. Because the one in you is greater than the one in the world. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. There's only one thing I want you to do tonight. Et il y a une chose que j'aimerais faire ce soir. If you are still living in sin. Et si vous êtes d'accord avec moi. Because if you are living in sin, your dream can't come to pass. Parce que si t'es pas dans une vie malsaine, votre rêve va pas pouvoir va passer. If you are still living in sin, et si vous êtes ici en sin, I want you to come to God tonight. J'aimerais que vous veniez à I Dieu want you ce to soir. Come to Jesus Christ. J'aimerais que vous veniez vers Jésus Christ. Let's pray together. Prions ensemble. So that he will save your soul. Afin qu'il sauve votre âme. And his blood will wash away your sins. Et son sang va laver tous vos péchés. Once your sins are gone. Et une fois que vos péchés seront partis, the sky is not the limit for you. C'est le ciel seul qui sera la limite pour toi. Heaven is your limit. C'est le ciel qui est ta limite. So in the next 2 minutes, dans les deux prochaines minutes, before I pray, quand je prierai, for those who need pour ceux prayers, qui ont besoin de prière, I would love to pray for those who are sick. J'aime prier pour ceux qui sont malades. Because when I pray by the grace of God, parce que quand answers. Je prie par la grâce de Dieu, il les guérit. I would love to pray for those who need breakthroughs. Et je
prie aussi pour ceux qui j'aime but, prier pour ceux before, qui ont... before I pray, mais avant que je prie, if there's anyone here, s'il y a quelqu'un ici, and you know you are still living in sin, qui était toujours en, qui sait qu'il vit toujours dans le péché, but you want the Almighty God to forgive you, et qui aimerait que le Dieu très saint to save puissant, your soul, lui pardonne afin que votre âme and soit sauvée, the power to live a holy life, et qu'il ait la puissance de vivre après une vie sainte. I want you to come quickly and stand alors j'aimerais vous demander de venir ici maintenant devant la plateforme, and let me pray, let me pray for your et j'aimerais prier pour vous first, pour votre salut. You don't need to wait for anyone, you might be the only one. Vous avez besoin que du très haut. Personne if you d'autre. Want to come, you have to come very quickly. Mais si vous voulez venir, venez vite, rapidement, maintenant. Hurry up, God bless you. Allez, come quickly, dépêchez-vous, come quickly. Que Dieu vous bénisse. Let me pray that God will remove that obstacle to the fulfillment que of Dieu your dream. Enlève tous les obstacles à vos rêves. Come, let venez, him forgive venez, your sins. Venez qu'il vous pardonne vos péchés. Come, laissez-le pardonner vos péchés. And let him give you a brand new beginning. Et venez afin qu'il vous donne un nouveau. He is the only one who can fulfill your dreams. Qui peut conforter et vous no matter how big the dream may be. C'est égal combien les rêves vont être. If God is on your side, si Dieu est avec vous, that dream will come to pass. Ce rêve va se réaliser. Hurry up, come quickly. God bless you. Venez, I can see you coming. Venez, je vous vois venir, mais venez. Hurry up, quickly. Let those dépêchez who are clapping, vous. Please keep on clapping for them. Voilà, c'est merveilleux de voir les gens clap qui for them as they come. Quand ils viennent. Oh, glory be to God. Come, 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 come. Il n'y a pas de limite à Dieu. Let his blood wash away your sins. Laissez Dieu keep laver clapping, vos péchés. Brethren. Don't stop clapping. You are clapping for Jesus. Vous pouvez continuer d'applaudir, on applaudit Jésus. Encourage these are brothers and sisters. Come, come now. Venez, frères et sœurs, venez. Come, let him wash venez. Away your sins with the power in his blood. Laver. So that he can give you a new beginning. Qu'il puisse vous donner un nouveau départ. And he can revive all those dreams. Et qu'il puisse remettre à la vie dans tous and vos give rêves. You brand new ones. Des nouveaux rêves. Come quickly, come, venez, come, come. They are still on the way. So keep clapping, keep clapping. Continuez d'applaudir, continuez keep d'applaudir. Keep clapping. Continuez d'applaudir. Keep clapping. Continuez d'applaudir. Keep clapping. Continuez d'applaudir. Keep clapping. Continuez d'applaudir. Oh yes, keep clapping. Oui. You are clapping for the Savior. Keep vous, clapping. Vous êtes en train d'applaudir le Sauveur. Keep clapping, keep clapping. Continuez d'applaudir. Keep clapping. Continuez. Keep clapping. They are still on the way. Keep clapping. Continuez d'applaudir. Continuez. Oh, this is a new day for you. Oh, c'est une nouvelle journée pour vous. A day of salvation. Un jour de salut. A day of a new beginning. Un jour d'un nouveau départ. Keep clapping. They are still on the way. Continuez d'applaudir. Continuez d'applaudir. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Merci Jésus. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Merci. Now, those of you already in front. Il y a tellement de gens qui sont and prêts those of you ici, on the way, et puis il y en a encore quelques-uns qui sont en train de venir. Cry to God for just a moment. À Dieu. And say, Lord Jesus, save my soul. Dites, Dieu, sauve mon âme. Let your blood wash away my sins. Que ton sang lave mes péchés. Every sin that can stand between me and the fulfillment of my dreams. Que tout péché qui est entre moi et puis l'accomplissement des rêves. Let your blood wash away now. Que ton sang les enlève. Everybody pray for them. Et the rest of us, let's stretch our hands towards our brothers veut, and pray for them. On veut prier pour eux. Let's intercede that God will forgive all their sins. Dieu, nous pardonnons tous leurs péchés. And give them a brand new beginning. Et donne-leur un nouveau départ. Please intercede for them. On veut intercéder ensemble for pour just eux. One more minute, let's intercede juste for pour them. Un petit moment, on veut prier this pour very, intercéder. Very c'est très très important. Thank you, my Father. Merci mon Père. Glory be to your holy name. Gloire à ton nom saint. In Jesus' mighty name we have prayed. Dans le nom précieux de Jésus et puissant. And so my Father and my God I want to thank you. Et Père mon Dieu, j'aimerais te remercier. For all these people who have come forward. Pour toutes today. Ces personnes qui sont venues. They have come to you, Lord. Ils sont venus pour toi seul. Please receive them. Merci parce que tu les reçois. Have mercy on them. Aie grâce sur eux. Let your blood wash away their sins. Que ton sang lave leurs péchés. Save their souls, O Lord. Et que leur âme. And receive them into the family of God. Soit épanouie, qu'ils puissent être reçus dans la famille de Dieu. And from now on, anytime et de maintenant, anytime they call on you, chaque fois qu'ils t'appelleront, answer them by fire.
Merci parce qu'il leur donne leur feu. In Jesus' mighty name we have prayed. Dans le nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Now I want to rejoice with those of you who have come forward. Et j'aimerais me réjouir avec tous ceux qui sont from venus today devant. Onward, things will become new for you. Parce que c'est une journée où tout devient nouveau pour vous. And I promise you, I'll be praying for you. Et c'est pour ça qu'on veut prier pour vous. Now please stay where you are because we want to pray now. Et maintenant, on aimerait prier, rester là. Because my time is spent. Le temps passe vite. You can stand on your feet. Levez-vous sur vos pieds et nous tous autres ici. For 2 minutes, I want you to pour deux pray. Minutes, for two j'aimerais minutes, prier. I want deux you minutes, to pray. J'aimerais prier. God will give you a big dream. Parce que Dieu m'a donné des gros rêves. A dream so big, des rêves tellement grands that only God can fulfill it. Dieu seul peut les accomplir. And that the dream will be fulfilled before next year. Et ces rêves vont être accomplis avant l'année prochaine. Open your mouth and cry unto ouvrez the Almighty votre God. Bouche et crie, appelez Dieu. Father, give me a big dream. Père, donne-nous des grands rêves. A dream much bigger than I. Des dieux plus grands que nous. A dream so big. Des rêves tellement grands that only God can fulfill it. Que seul Dieu peut les accomplir. Give me a big dream, oh Lord. Donne-moi un grand rêve, Dieu. The dream to be able to raise the dead. Un rêve afin que je puisse a dream ressusciter to les morts. Mighty things for God. Qu'il fasse des grandes choses pour Dieu. Give me mighty big dream, oh Lord. Donne-moi des grands rêves puissants, Seigneur. And fulfill the dream before next year. Et accomplis ces rêves avant l'année prochaine. So that when I come to the next feast of Tabernacles, afin que lorsque je viendrai lors de la prochaine fête des Tabernacles, with testimonies. Que je vais pouvoir donner tout plein de témoignages. Father, give me a very big dream. Donne-leur des très très grands rêves. To be a mighty vessel unto honor in your hands. Afin d'honorer tes mains. Talk to him for just 1 more minute. Parlons encore à lui pendant quelques minutes encore. And then I will pray for you. Et après je vais prier. Thank you, Father. Merci, Père. In Jesus' mighty name we have prayed. Au nom puissant de Jésus dont nous prions. I want you all to please lift your hands to heaven. I want to pray for you. J'aimerais que vous levez vos mains. Je vais prier pour vous. I want you to dear believe. Et j'aimerais que vous que vous croyiez. That before you go out of Israel. Qu'avant que vous sortiez d'Israël, partiez d'Israël. All your problems will be over. Que tous vos problèmes vont être résolus, passés. My Father, my God, I want to thank you. Mon Père, mon Dieu, j'aimerais te remercier. Because I know you are the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Parce que je sais que tu es le Dieu de Shadrach, Abednego et Abednego. And there is nothing you cannot do. Et rien d'impossible que toi tu puisses faire. So I'm committing everybody here tonight into your hands. Et maintenant, tous ceux qui sont ici, je les confie en tes mains. It doesn't matter the nature of their sickness or disease. C'est égal quelle maladie ce qu'ils ont comme problème. Before the end of this program, avant la fin de ce programme, heal them all in Jesus' name. Guéris-les tous au nom de Jésus-Christ. Whatever may be the problems your children brought here to Israel, avec n'importe quel problème qui soit venu ici en Israël, don't let them go back with the problems in Jesus' name. Laisse-les pas repartir avec leurs problèmes au nom de Jésus. Everyone in need of a breakthrough. Et chacun qui a besoin d'une percée, give them the breakthrough tonight in Jesus' name. Percée cette nuit au nom de Jésus. My Father, my God. Mon Dieu, mon Père. Because you have given me big dreams in the past. Parce que tu m'as donné des grands rêves dans le passé. And you have fulfilled them. Et que tu les as accomplis. Give this your children big dreams. Donne-leur des grands rêves. And fulfill every one of them. Et accomplis chacun d'eux. So that by next year, Feast of Tabernacles. Ainsi qu'à l'année prochaine, lors de la fête des Tabernacles. They will all return with mighty testimonies. Pour revenir avec des grands so témoignages. So let it be, O Lord. Merci, Seigneur. In Jesus' mighty name, we have prayed. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. 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 God bless you. Que Dieu vous bénisse. You can go back to your seats. Vous pouvez retourner à vos places. Rejoicing. Plein de joie. Go ahead. Et continuez. Keep praising the Almighty God. Et continuez de give him all glory. Dieu give him all honor. Donne-lui tout honneur à lui. Thank you, sir. Thank you.
You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Come on, say, you give our love. You are love. Love, you bring light to the dark.